Bah, y'a Jérém qui s'est fait mal là. Je pense que c'est pété, hein. Putain, merci les gars. Wow, on arrive à un sacré truc, les gars, là. Putain, j'en ai loupé 5 où j'en rentre un, bordel. Il va l'envoyer, il va le faire, c'est sûr. Attends. Non. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de J'irai tracer chez vous. Aujourd'hui on est à Grenoble et il fait grave beau. Et il y a beaucoup de monde pour cette jam, pour ce rassemblement, il y a énormément de monde, énormément d'abonnés. On a la jam qui va commencer dans quelques minutes là, on est hébergé chez la Red Square et ça va envoyer du lourd. Du coup on va découvrir les spots et il y a de quoi vraiment s'amuser. Bon, j'ai une cheville, du coup je peux pas trop bouger aujourd'hui. Donc je me donne un challenge, ça va être de faire le dub chat là. Je l'ai déjà fait en chapresse, ça s'est bien passé. Maintenant je vais le faire en dubcha et faut l'envoyer quoi. Non mais ouais ça va, c'est... la ville est cool, il y a plein de monde. Il y a une bonne commune, ça fait plaisir. Et là bah ça reprend en prep. Comment tu le sens? Ouais je pense que ça pourrait le faire. Faut que j'arrive à plus plonger dedans là pour voir. Je vais faire des preps sur le côté là. Ça va me rassurer un peu et après quand je vais sentir, je vais l'envoyer. Carré. Avec l'envoi. C'est quoi qui est chaud là? Le mur il est assez haut. Il y a une marche, même si en soi, normalement logiquement je pars derrière, ça joue un peu dans la tête. C'est ça, là. Ouais, il a une cheville du coup il va pas trop bouger. Je peux pas m'en empêcher. Ouais j'arrive. Il a une cheville du coup il va faire un double chat de 10 pieds. Normal. C'est bon ça envoie. Je pense que ça va être mon seul move de la session, vraiment. Ok. Faut que je préserve ma cheville. Je crois que c'est juste 10, mais okay. Le mur est assez haut, assez ouais. épais. Ouais. Et il y a une marche devant, du coup ça fait peur. Ok. Ok, vous êtes prêts? Ok, ça part. Allez. Ah, je l'ai pas vu, David. Non. Ah, je te jure. Vas-y. Ah, je suis deg. Mais vas-y, oui. refais. Ah, je suis deg. Ça se voit, il est beau, comme il est gros, il est beau. Ok. Vas-y, bah, il te refait alors. Ouais, vas-y, avec plaisir, avec plaisir. Là, je regarde. Oh, la fusée. Je pense pas, je vais refaire ma line parce que en gros ça m'a fait mal au talon. Du coup là j'ai un peu forcé. Du coup je préfère rester comme ça et continuer à bouger tranquille. Ouais, j'ai rien. Ouah, j'ai tellement couru, mec. Oh la vache. Ah ouais, tes mains, t'as mis. Ouais. Ah, il connaît. Jesus Christ. C'est un conseil. Bah, y'a Jérém qui s'est fait mal là, on sait pas trop ce que c'est. Si c'est une entorse ou s'il a le pied cassé. Sur le chapresse là, il s'est fait mal. Thank you. Franchement, c'est pété, hein. C'est pété.
Bah on va aller à l'hôpital. Oh les gamins, c'est pas une cheville classique comme ça en gros. C'est tout qui était le pied. Un de la Wizzy en moins. C'est triste mais on va essayer de bouger encore un peu. Hein. Je pense que Jérémy s'est cassé quelque chose pour moi. Mais bon, on verra ça. Hein. Allo, allo, allo. Ok, on va décaler au prochain spot. Du coup on va aller au vieux temple, c'est juste là-bas. Est-ce que vous êtes encore chaud? Qu'est-ce que t'as amené là? Bah un mini trempe et des matelas pour le prochain spot je pense. Mais non. On le pose là-bas? Vas-y go. T'as ça dans un camion? Sa voiture il a tout laissé les sièges et tout. Et il porte ça toute la journée, toute la journée il s'entraîne avec ses matelas Alexis. C'est vrai? Ah t'es chaud. Je veux pas rentrer. Ah, Florian. Victoire de Florian. Oui. Yes, on a vu dans. Il est chaud, hein. Il a pas dormi cette nuit. Il a dormi à l'aéroport de Marseille et il fait des dingueries. Bon les gars, comme vous le savez, Holo sponsorise le Tour de France. Donc à chaque jam, on fait gagner une paire de Holo. Et là, on va poser une question sur l'histoire un petit peu de la Wizzy. Il doit bien connaître la chaîne. Genre oui. Une question sur la... Oui, oui, mais on a déjà les questions. C'est quoi? La première question, c'est... Une croix. Ouais. Okay. Qui a oublié son sac sur le toit à la Rochelle? Les rugbyers. Ouais, il est chaud. Deuxième question, comment s'appelle le millionnaire qui nous a hébergé au Portugal? Je l'ai pas celle-ci, elle est dure. Elle est très dure. Elle est très très dure celle-ci. Hein. C'est pas vrai. Combien d'essais a fait Louis pour le Rocketman? Il en a fait deux. Voilà. Ok. C'est carré. Est-ce que tout le monde peut venir ici s'il vous plaît? On va faire gagner une paire de holo. En fait, je vais vous poser une question et celui qui a bon, bah, il gagne une paire de holo. Alors, qui a oublié son sac sur le toit de la Rochelle? C'est ouais, chaud. Je vous abuse. Non, c'est hard. Ok, deuxième question. Sur le Wizzy Trip 2, comment il s'appelle le millionnaire qui nous a hébergé? À Lisbonne. C'est Ibrahim le Qatar. Ok, c'est bon, mais alors. Celle-ci, elle est facile. Celle-ci, elle est facile. Ça va aller très rapide. Combien il y a eu d'essais sur le Rocketman? De Louis Ménard. De Louis Ménard. Deux? Ouais. Ouais. Oh le bagarre! Oh tu gagnes une paire de holo mon pote! Oh putain, non, c'est vrai là? Yes! Attends, faut qu'il respire! Yes. Faut qu'il respire, les gars! Oui, je crois qu'il respire! Et ouais, je m'inquiète! Merci les gars! Oh, t'as dit au pif ou c'est. Ah non, non, j'ai vu la vidéo il y a. Non, en vrai, c'était il y a longtemps quand même! Ouais. Mais j'étais déjà abonné. Ouais, je suis super longtemps les gars, je suis plus au 24K je crois, un truc comme ça. Ah ouais, ça ouais. Remonte ça. Je suis refait, oh putain, merci. Alors c'est la fin de la jam Wizzy à... Où? À Grenoble, on est à Grenoble. À Grenoble. Merci tous d'être venus, c'était une journée incroyable. Et on se dit à la prochaine et... À dimanche prochain pour une autre vidéo. Bon, après une bonne jam, on va aller se baigner, il y a un rope swing. Je pense qu'il y aura encore des petites dingueries qui vont se faire. Oh, j'ai trop bien parlé. Wow, on arrive à un sacré truc, les gars. Allez. Oh.
Machine. Je proposais une petite idée de merde à Chouka, il m'a dit oui. C'est quoi? Vas-y, tu vas voir. Hein, ok, ouais. Surprise. Allez, 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 allez. Non. Attrape, attrape, allez. Voilà. Non. C'est la merde. Ça va? Allez, gros. Allez, 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 allez. C'est toujours le même. Wouh. Il coule. Ça va? Ouais, ça passe. Allez, qui va là? Allez, allez, gros. Allez, gros. Allez, gros. On se lâche ou pas? Soleil. Putain, j'en ai loupé 5, faut que j'en rentre un, bordel. Putain, merde. Ok, Jolan, c'est un guerrier, les gars. Il va l'envoyer, il va le faire, c'est sûr. C'est maintenant. Attends. Non. Oh merde, Jolan. Ah, ce plat immense qu'il a pris, c'était incroyable. Ça me rend fou. Et à ça, hein. J'ai envie qu'il le réussisse. Putain. Mec, c'est insane. Tellement de plats. Ah, ça fait mal. Pour la même session. Putain, le guerrier. Le guerrier qui se prend des plats. Hein. Tu penses ça va passer ou quoi? Bah, il faut que je le rentre, hein. Je vais essayer. Putain, mec. Ah yes, ah, je suis gros. Super fier. Putain. Ok, il y a Shukai et Flo qui vont partir en même temps sur la corde. Ça part. Il avait son téton, je l'avais dans sa dans la bouche. On part ensemble, je lâche la corde et après je fais palm flip sur son dos. Normalement ça devrait le faire. Palm flip dos, mec, ça va marcher à coup sûr, je crois, 100%. C'était tout parfait comme on avait dit, on a essayé bien dévié là, tu palmes comme dans la vraie vie. J'ai niqué mon plâtre. T'as niqué ton plâtre. T'as fait le nerveux. Oh mec, oh non. T'as, je me suis jamais pété un truc et là la sensation elle était terrible. Hein. Comme quoi t'avais raison. Ouais mais mec, mon pied il s'est détruit, hein. Il y a trois trucs trois pétés. Il y a un petit arrachement osseux mais tranquille je crois. C'est horrible, hein. Attention. Oh la dingue. Attention, chaud devant. J'ai été pris en stage cuisine par Eka, un espagnol trop sympa qu'on a rencontré chez un petit Paul à Grenoble. Donc là, ça part en grosse cuisinade pour 10 personnes. On va se régaler ce soir. On va bien manger ce soir-là. Mais c'est une dinguerie. C'est perfecto. C'est le service à domicile. Petite update. Putain, ça m'a cassé les couilles, j'ai eu mal toute la nuit. Bah oui, mais c'est horrible. Du coup, aujourd'hui, c'est journée repos. Et... Oh là oh. Pizza de la mala. Ah, pizza de la mala. Ok, j'ai déchiré. On prend du temps, on va se reposer un peu. Et après, on repart faire des petites dingueries. Moi, je suis chaud. Regardez-moi le pouce. Moi aussi, Mathieu, il est chaud. Bon là on vient d'arriver au lac du Bourget. Les gars ils vont nous amener un petit spot de cliff qui est bien stylé. Et le lac il est incroyable. C'est un des plus grands lacs naturels de France. Du coup il y a de quoi faire. L'eau elle est bleu turquoise. Je pense que ça va être une bonne après-midi, il fait beau en plus. On va aller rejoindre les gars là, c'est parti. Vous avez une bonne relation tous les deux ou pas?
La solidité de cette branche est quand même approximative. Ah non, c'est précaire hein, ce que tu nous proposes. Oh bordel. Alors c'est le grand jour. Ouais mec, c'est le jour du Doblay. Ça fait longtemps que Léo il veut Doblay. Et à chaque fois on trouve pas vraiment les bons spots pour qu'il s'entraîne, qu'il le lance une première fois. Et là apparemment il a trouvé. Voilà. Il est en bagage ? Ouais. Il a même pas son... Yes Paul. Pareil, pareil. Allez. Sers-toi de son énergie. Allez Léo. Allez go. Faut que tu crois jusqu'au bout. Fuck ça. Fuck. Tellement long comme tricks. Je vais croire longtemps en fait. Yes Léo. Je sais pas, c'est pour créer une trop grosse plaque. Yes. Yes, ça a l'air d'aller. Yes. Bon là on va se diriger vers le plus gros saut du spot. On ne sait pas trop combien il fait, on n'a pas apporté la taille. Mais on est avec un local qui connaît bien. Le local. Par ici messieurs. Circulation. Rocaillou. Ouais, il y a 15 mètres peut-être. C'est bon quoi. Non hein. Oh, tu sautes, tu sautes. Tu sautes tout de suite. Une seconde. Elliot, tu vas? Ok. Oh, god damn. Ok, t'es prêt? Ok. Oh, oh tout de suite! Ouais! Oh! Non, y a plus de cam. Allô? Putain non. On vient de perdre notre caméra. Oh non, on vient de perdre tous les rushs. Fuck. Oh non.